Ma pratique, je la considère comme une pratique assez hybride. C'est une pratique qui mélange les sciences, les arts, la médecine. J'aimerais bien effacer les frontières entre ces différentes disciplines. Et c'est également une pratique qui est très orientée vers la matière. Pour moi, c'est une véritable importance d'être proche de la matière, comme c'est le cas de la taille de pierre, par exemple. Ce rapport avec le minéral, assez sensuel, une vision première, qui je mets en contexte avec mes pratiques un peu plus, on dirait, conceptuelles, comme les collaborations avec les médecins, les scientifiques. Donc, le projet MCAR, c'est né d'une rencontre. Une rencontre assez exceptionnelle avec un monsieur qui s'appelle André Chulika. Oui, il y avait du monde. En fait, je m'appelle André Chulika, je suis biochimiste de formation, j'ai un doctorat de virologie moléculaire, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur les virus, en particulier ce qu'on appelle les rétrovirus recombinants. J'ai passé ma thèse essentiellement à faire de l'édition de génome et à développer l'édition de génome. Tu réchauffes, tu ramènes. En fait, une molécule d'ADN, chaque fois que tu fais un cycle, c'est 2 à la puissance. André Chulika est venu me visiter dans mon atelier à Push à Clichy. J'avais un livre à l'atelier de Jennifer Doitna qui s'appelle The Crack in Generation. C'est un livre autour de l'édition de génome, donc notamment un outil que cette femme a développé qui s'appelle CRISPR-Cas9. Donc c'est une ciseau de génome qui peuvent couper l'ADN à n'importe quel endroit pour remplacer l'information avec une autre. André Chulika m'a invité en résidence à Selectis. C'est une entreprise qui fait du gene editing, donc du modification sur le génome humain. Tana a décidé de cloner un gène qui s'appelle le gène MC1R. Alors MC1R, c'est le récepteur numéro 1 à la mélanocortine. C'est un gène qui est présent en fait dans notre peau et qui va être exprimé quand on va s'exposer au soleil. Le résultat, c'est que l'on bronze. Oui, tu as le réglage se fait ici. Ouais. Là, tu as 700 microlits que tu peux voir. Mm-hmm. Tu tournes le petit truc ici. Ça. D'accord. Après avoir développé le virus porteur du gène humain avec Selectis, il me fallait un moyen de faire cultiver les plantes en France, parce que c'était fait en États-Unis. Je ne savais pas trop où trouver des chercheurs qui pourraient être intéressés de collaborer sur le projet, qui avaient aussi les moyens techniques. Donc Daniel Voites de Selectis Minnesota m'avait donné un essai d'une chercheuse française qui s'appelait donc Dominique Romeau. C'était une des seules au monde qui avait déjà injecté un gène humain dans une plante. Et alors, ils vont bien, les plantes ? Je suis allée à Aix-Marseille, au BIAM, pour faire une première rencontre avec Dominique. Donc elle a vite mis les plantes en cultivation. Donc l'idée de Dana, c'était de prendre ce gène de la mélanocortine, le récepteur 1 à la mélanocortine, de le cloner. Alors donc, on va utiliser la PCR pour amplifier ce gène. On va prendre le gène, qui est une molécule d'ADN, et on va le faire rentrer à l'intérieur d'un vecteur. C'est quelque chose qui va transporter l'ADN. On va le faire rentrer dans du virus du tabac. Tabaco betamiana, qui est en fait une souche de tabac très utilisée dans les laboratoires. Ils sont très heureux, ils poussent super bien. Je suis très satisfaite des conditions de culture. Ouais. C'est des conditions idéales. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Voilà. Oui, on ne sait pas comment elle va réagir, surtout au musée. Ce n'est pas les conditions de lumière qui sont pareilles qu'ici. C'est une expérimentation de voir comment la plante va réagir. Tout à fait. Et en fait, donc là, on a le tout. Oui, quand j'ai prélevé. À partir de ces échantillons-là, on va extraire la ARN pour voir donc si le gène MC1R est bien présent dans les plantes et à différents endroits de la plante. Okay. Bah, du coup, on prend une pour l'infiltration, voilà. Maintenant une de plus pour l'infiltration. Puis, ça, de la place. Ça.
fait, même, Dana, j'ai fait deux séries de cultures de bactéries, d'agrobactériums. J'en ai fait une avant-hier et j'en ai fait une hier. Ça, c'est celle de... Ben, là, je les ai récupérées, je les ai mélangées. Donc là, c'est prêt pour l'infiltration avec les petites seringues sans aiguille, évidemment, comme la dernière fois. Parfait. On voit que c'est tout trouble, tu vois. Mmh. Les deux souches, celle qui contient ton gène, MC1R, et celle qui contient le vecteur de Dan. Est-ce que ça... Oui, remplis, vas-y jusqu'au fond. Voilà. Ouais. Bah, tu fais un début plus faible, mais tu continues pour que vraiment ça fasse des beaux patchs. Continue. Oui, continue. Voilà, ça fait des beaux spots, parfait. Ouais. Ok. Alors, tu veux vider complètement ta seringue, tu trouves un, tu vois là par exemple. Je trouve un petit spot où je n'ai pas encore injecté. Voilà, entre deux nervures. Ouais. Mais on sent vraiment que le tissu, il est bien nourri. C'est de la bonne plante. C'est... Ouais. Voilà, parfait. Voilà. Ce gène va rentrer à l'intérieur des cellules de tabac et va être présent dedans. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vérifié après la présence de ce virus dans le tabac. Et la présence de ce virus dans le tabac est bien effective. Et comment on vérifie? Par PCR. On sait par PCR que le virus est bien présent à l'intérieur du tabac. Ce qui fait qu'on en a un tabac qui a été modifié génétiquement et qui maintenant contient un gène humain qui est le gène du récepteur 1 à la mélanocortine. Aujourd'hui, c'est très difficile en fait d'inventer ou de briser des paradigmes dans le domaine de l'art, aussi difficile qu'en science. Je trouve qu'un bon scientifique en fait doit absolument pouvoir s'aérer en fait l'esprit et se ressourcer l'esprit ailleurs. Pour moi, l'art est en fait une source d'inspiration et d'énergie dans laquelle je peux trouver ça, et j'ai toujours voulu d'une certaine manière être impliqué avec des artistes, et c'est quelque chose qui m'a toujours excité. Je pense que la collaboration entre un artiste et un scientifique, ça peut être très utile pour les deux côtés. Pour ma part, il y a certains moyens techniques qu'un artiste n'a sûrement pas. Là, enfin, avec les collaborations, j'ai la possibilité, moi aussi, de réunir les deux. Et pour le scientifique, je pense que c'est assez intéressant également de voir son travail d'un point de vue artistique, qui n'a pas un but précis, mais un travail de recherche, même esthétique aussi, où il n'a pas l'habitude dans son travail quotidien. Donc, il faut penser à celui qui pense à retourner la tête. Et ça réouvre la perspective en dehors d'une fin programmée et tout ça, c'est chouette. Ça remet en balance les choses. Ça peut montrer qu'il y a une espèce d'une précaution, comme avec les dessins, tu vois, avec les 50 lux et tout ça, cette idée qu'on fait attention à elle et qu'on a baissé la lumière. Toute seule, j'aurais jamais réussi à faire ça. Si le projet MC1R existe aujourd'hui, c'est grâce à l'aide de ces chercheurs, de André Choulika, de Daniel Voites, mais aussi de Julien Valtan, qui m'a aidé de développer ce concept, et surtout grâce à Dominique Romeau, qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse arriver. Et je suis extrêmement gratifiant pour ça.